monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo produit terminé. Alors, ça fait quelques temps que j'accumule pas mal de produits. Alors, j'ai deux sacs, un en bas pour la coiffeuse et un en haut dans la salle de bain. Alors, sachant qu'évidemment, il y en a un des deux qui est plus rempli que l'autre et que ça fait vraiment longtemps que je garde certaines choses pour les bonnes et simples raisons que des fois, j'oublie complètement de mettre ça dans le sac. Et voilà. Enfin bon, on va commencer tout de suite avec le sac du bas, qui est donc le sac de la coiffeuse. Alors, attendez, parce que j'ai 25... Je vais essayer de regrouper les produits. C'est tombé. Alors, voilà. Alors, j'ai 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3. J'ai 3 paquets de coton, sachant que j'ai dû en utiliser bien plus, mais bon. Des make-up sensitive, c'est mes cotons préférés à démaquiller parce qu'ils irritent pas trop les yeux et qu'ils sont de bonne qualité. Donc là, j'en ai 3. J'ai la poubelle à côté. Hein. Ensuite, j'en ai 4 de la dimension taille visage. Donc pareil, toujours des make-up sensitive. Je vais peut-être rapprocher la poubelle, ce sera peut-être plus simple si je veux faire ça comme il faut. Ça évitera que les chiennes, elles m'en mettent de partout. Bref. Ensuite, j'ai testé et fini un masque de nuit au thé vert de la marque Sephora. Alors, j'ai bien aimé ce produit. Donc, ce qu'il y a, c'est que il y a une quantité qui est assez énorme. Le truc m'a fait 3 jours quand même. Ça veut dire que 3 nuits de suite, parce que j'avais peur qu'il s'oxyde, j'ai appliqué ce truc. C'est super, hein. Mais pour le coup, je pense qu'il faudrait vraiment mettre moins parce que je pense pas que... Enfin voilà, au niveau oxydation, je pense que c'est vraiment pas le top. Mais sinon, j'ai bien aimé, il faisait la peau douce le matin, elle n'était pas desséchée, ça picotait pas. Voilà. Donc je pense que oui, je vais racheter. C'est donc le matifiant et l'anti-imperfection. Donc très bien Sephora. Ensuite, toujours dans la marque Sephora, c'est les masques pour les yeux à la rose. Alors c'est ultra hydratant et éclat. Donc hydratant oui, après c'est pas un effet de fifou non plus. Mais bon, ça détend, c'est pas mal. Je pense que j'en rachèterai comme d'habitude. Voilà. Ensuite, ça c'est de la marque Nivea, c'est un masque qui apaise et nourrit instantanément pour une peau plus douce et plus souple pour les peaux sèches et sensibles. Donc c'est des unidoses comme ça, donc c'est pareil, il y en a vraiment beaucoup dedans. Mais du coup on le laisse poser et quand on en a marre, on peut enlever l'excès avec un coton. Donc ça le soir devant la télé c'est plutôt pas mal. Donc voilà, non c'est pas mal, j'en ai encore et je pense que de temps en temps j'en referai aussi. Ensuite, j'ai fini un démaquillant de la marque Je mets Maybelline. Alors c'est le style des masques, hein. Je ne jure que par lui, j'ai encore plein de démaquillants. Mais en ce moment, enfin, je ne jure vraiment que par lui. Il n'y a que lui qui me démaquille parfaitement sans m'irriter les yeux. J'ai un poil, un truc de ouf. Donc, non, il est vraiment super. J'étais pas convaincue à la base. Et comme toutes les youtubeuses en parlent, bah, j'ai fait mon mouton et je suis allée l'acheter. Et franchement, là, c'est mon deuxième. Voilà, c'est tout. Ensuite, voilà, quand je vous ai dit... Lexi vient de gentiment de me rappeler que j'avais fait tomber un... C'est gentil ma chou, mais non, j'ai pas besoin de toi pour ramasser les choses. Ensuite, j'ai fini une poudre, donc la Pro Finish de chez Makeup Forever en teinte 110, qui maintenant n'existe plus parce que je l'ai rachetée. Et du coup maintenant, la teinte, c'est la 117. Donc, comment vous dire que c'est juste mon fond de teint favori. Enfin, il reste encore des petites miettes, mais c'est trop galère. Ce truc, pour moi, c'est la vie. Parce que, voilà,
C'est le fond de teint parfait qui ne me fait pas trop de boutons, etc. Et je rachète et je rachèterai. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, j'ai fini un déodorant de la marque Dove. Donc, c'est l'original qui est donc en stick, comme ça. J'en ai 3-4 d'avance, c'est pour vous dire. Je n'utilise que celui-là. Il ne dessèche pas sous les aisselles. Il fait parfaitement son job. Vraiment, j'adore ce truc. Il n'a aucune odeur, ce qui, moi, me va très bien. Parce qu'avec la transpiration, attention, mon manque d'amour, en fait, moi, les parfums en déodorant ont tendance à virer sur moi et c'est juste une horreur. Voilà, donc je préfère largement ça. Et en plus, je vous cache pas que moi, me mettre du pchipchit comme ça sous les bras, j'en mets, hein. Mais mettre du pchipchit comme ça sous les bras, autant vous dire que j'en avale, enfin j'en inhale plus que j'en mets dessous. Enfin, j'arrête pas, j'en mets, je sais jamais s'il y en a assez ou pas. Tandis que là, pop, 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 ça c'est bon, c'est fait. Donc voilà, j'en ai un en haut, un en bas pour quand j'en ai besoin. Ça m'évite de monter les escaliers, je sais, je suis une flemmarde. Mais c'est comme ça. Les chiens vont commencer à se battre. Évidemment, je fais une vidéo. C'est normal. Bref, donc oui, oui, oui et re-oui, je rachète. Ensuite, nous avons alors une mousse lavante pour les mains de la marque Palmolive. C'est la Magic Softness. Donc celle-là, c'est celle à la framboise. J'adore ce truc. C'est pas parce qu'il ne dessèche pas les mains ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, quand on pousse, il fait de la mousse. Voilà, c'est tout. Voilà, j'en ai plein en backup. J'ai toutes les senteurs. J'en ai un en haut, un en bas. Voilà, j'adore ce truc. Donc voilà. Ensuite, évidemment, il y a un truc qui a collé, je sais pas ce que c'est, mais c'est dégueu. Alors ensuite, j'ai terminé, à mon plus grand regret, une eau parfumée, une eau de parfum de chez Réserve Naturelle, donc Adopt. C'est l'eau argentée. Je l'adore, j'adore cette odeur. C'est c'est fort, c'est comme j'aime bien, c'est... Ça fait pas trop fille, ça fait pas trop mec, c'est... Elle est juste bien, donc il faut que je la rachète. Donc oui, 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 et re-oui. Et ensuite, un dernier produit. Lexi, ça suffit. Va te coucher. Ensuite, un dernier produit qui n'est pas un produit beauté. Mais je voulais en parler parce que j'adore ce truc. C'est le deuxième que je rachète. C'est le Monsieur Propre. C'est un lavant pour le sol, tout simplement. Gel liquide concentré Monsieur Propre, nettoyant multi-usage avec fraîcheur fébraise à l'intérieur. Il fait 600 ml. Et en fait, ce que j'adore, c'est que en fait, c'est un bouchon doseur. Donc en fait, vous appuyez et il vous délivre la dose. Exact. Et je trouve ça super pratique et super économique parce que je suis le genre de personne qui a tendance à toujours avoir peur qu'il n'y ait pas assez de produits. Pour moi, si je mets deux bouchons, ça me crispe. Et du coup, je me suis rendu compte qu'avec ça, voilà, j'appuie et voilà. Tout va bien. Et c'est vraiment super. Franchement, il m'a fait 6 mois au moins, c'est vraiment pratique, l'odeur est géniale, il en existe en plein de senteurs, il nettoie très très bien et franchement voilà, donc je rachète, j'en ai encore. Voilà, donc c'est fini, vous voyez les petits rendez-vous de la beauté sont terminés, donc ça c'était pour le sac du make-up, enfin d'en bas de la coiffeuse. Ensuite on va passer à la salle de bain et on en est déjà à 9 minutes, tout va bien. On va aller plus vite. Ce chien m'exaspère. Mais ce chien m'exaspère. Elle a toute la journée pour jouer, mais non. Non, non, non. File de là. On jouera plus tard. Kayla, file à ta place. Alors, il y a des gels douches, autant vous prévenir. Donc, on va commencer par ceci qui est un gel douche de la marque Cottage, cerise noire et pistache. On passera, l'odeur sublime, bref, voilà. Je rachète, la question ne se pose même pas.
Ensuite, j'ai fini une eau micellaire de chez Leclerc, donc pour peau sèche et sensible, donc de la marque repère de chez Leclerc qui est Inel. Donc c'est mon deuxième flacon. J'adore cette eau micellaire, mais maintenant j'avoue que je suis passée à la Bioderma qui convient beaucoup plus à ma peau. Mais sinon, très très bonne eau micellaire, vraiment j'ai rien à dire pour une marque de grande surface, chapeau. Ensuite, j'ai encore fini un gel douche. Désolée, mon téléphone sonne. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Wouh ! On est mercredi hein, quand je vous filme cette vidéo. Donc, j'ai fini un gel douche de la marque Bourjois qui est le Rafraîchis-moi. Donc, parfum aquatique, fleur des lagons pour peau déshydratée et ressourcée. Donc, j'adore. Hein, l'odeur était sympa et tout. Après, il y a d'autres... la texture était bizarre. C'est une sorte de gelée chelou. Mais bon. Mais sinon, c'était pas mal et j'adore l'odeur. Ensuite, j'ai pas terminé et j'ai dû jeter parce que ça faisait trop longtemps que je l'avais. Un gel nettoyant au pamplemousse rose visible éclair de la marque Neutrogena. Alors, ce truc fait bien son job. Voilà. Ce truc fait bien son job, mais seulement j'ai changé de produit entre temps. Et en fait, moi en fait, ce qui m'a gênée surtout, c'est l'odeur du pamplemousse rose. J'aime pas les odeurs d'agrumes et voilà. Donc c'est ce qui fait que du coup, je l'ai plus utilisé. Ah, est-ce qu'on va avoir la paix? Bougez pas, je reviens. Voilà, j'ai tapé ma gueulante, je suis contente. Ensuite, j'ai fini. J'ai fini. Bon, Alexis, c'est bon là? Tu arrêtes? Donc, j'ai fini un shampoing Saint-Algues Sayos. Ah, ils veulent pas que je fasse ma vidéo. donc j'ai fini un shampoing Saint-Algues Sayos à la kératine perfection qui faisait 500 ml. Autant vous dire que celui-là, j'ai mis 10 ans à le finir. Je l'ai appliqué surtout après les bains d'huile et tout pour en mettre tout plein, tout plein, tout plein. Parce qu'il est bien mais il me graissait les cheveux et c'est chiant. Voilà. Ensuite... j'ai fini un après-shampoing démêlant à l'argan et fleurs d'Afrique de chez Fit Harmony. Donc super bien. Il faisait des cheveux super doux et tout. Démêle, protège et fortifie. Le seul truc que j'ai à lui reprocher à cette petite chose, c'est qu'en fait, il se fondait automatiquement dans les cheveux. Donc en fait, il n'y avait pas moyen de savoir si on en avait mis assez ou pas. Et en fait, on s'en rendait compte en rinçant s'il y en avait assez ou pas. Et ça me gêne. Mais sinon, c'est bio, c'est pas mal. Franchement, je conseille. Ces chiens me désespèrent. Elles dorment jusqu'à que je me mette à filmer. Yoh ! Bref, je sens le bloopers à la fin de cette vidéo. J'ai fini un Oral-B 3D White qui est un dentifrice. Donc, autant vous dire que j'en ai encore deux. Donc oui, je rachète, j'ai aimé, etc. etc. J'ai fini un nettoyant exfoliant masque de la marque Garnier, donc qui est le 3 en 1, à l'acide salicylique, donc il y a on va y arriver, qui est donc un nettoyant, un exfoliant et un masque, comme j'ai déjà dit, à la pierre ponce, à l'argile blanche et au nettoyant Smithsonite. Ok. Donc on peut s'en servir comme donc nettoyant, exfoliant et masque. Voilà. C'était vraiment, franchement pas mal. Avant que j'aie ma nouvelle routine, franchement c'était sympa. Ensuite, un de mes favoris, qui est le gommage corps lissant Sephora à la fleur de coton. J'adore cette odeur, ça fait 4 fois que je la rachète. Ça gomme, ça arrache comme j'aime aussi. Oui. Voilà. Ensuite, j'ai fini un L'écorce sous la douche nourrissant de chez Nivea. Non, 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 et définitivement non.
Déjà, il est hyper lourd, donc on sait qu'il en reste, mais t'as beau appuyer sur le machin, il n'y a rien qui vient. Donc, non. Et je déteste la sensation qu'il fait après la douche sur le corps. Voilà. Donc, j'ai encore pas trouvé de trucs sous la douche qui me conviennent pour l'instant. Ça me saoule. Ensuite, j'ai utilisé une petite capsule crème de douche Lagom, qui est très très bien, de la marque Sephora. Parce que de temps en temps, je fais ça. Ensuite, j'ai utilisé un masque anti-imperfection au thé vert de chez Sephora. Donc, en principe, je fais ça quand je suis dans mon bain. Donc, bah, je rachète à chaque fois. Donc, oui, j'aime bien. Même si je ne trouve pas des effets de fifou, hein, mais j'adore. Voilà, pendant le bain, ça me va très bien. J'ai terminé et racheté. Non, j'ai pas racheté celui-là, mais j'ai racheté dans la même marque. L'Intense Repair de chez L'Oréal Professionnel, qui est un masque nourrissant. Et du coup, j'ai racheté dans la gamme L'Oréal Professionnel le Absolute Repair, qui est encore plus nourrissant et qui est une vraie tuerie. Voilà. Je me dépêche parce que ça fait 15 minutes. Et après, vous allez me dire, oui, tes vidéos elles sont trop longues. C'est comme ça. J'ai terminé un essai. Donc, c'était un silk infusion de la marque Chi. Donc, je l'ai fait en bain d'huile. Oui, il faisait les cheveux hyper doux et tout. J'en ai partout sur les doigts, c'est dégueulasse. Donc, oui. Oui. Ensuite, j'ai utilisé un masque au bambou de chez Etude House, qui est un masque en tissu. Franchement, j'ai été assez bluffée parce que, voilà, en principe, les masques en tissu ne font pas non plus un effet de fifou, hein. Mais là, j'avais la peau qui était d'une douceur, mais incroyable. Donc, oui, je pense que je vais racheter. D'ailleurs, vous savez qu'il y a toujours un bon de chez Souka, un code promo pour 10%. Voilà. Donc, je vous le remettrai quelque part. Ensuite, j'ai pas terminé le stick nourrissant pour les lèvres au beurre de karité qui était super de la marque Phare Modèle qu'on a vu dans une glossy box. Elle fait du. Tout simplement parce qu'en fait, il a fondu dans ma salle de bain et que, bah voilà, il s'est pété dans tous les sens. Enfin, trop déçu. Pourtant, il marchait super bien ce truc. Mais bon. J'ai utilisé également cette petite chose de chez Sephora qui est le Nice Sephora Cream. Donc c'était une boule de bain effervescente à la mangue. Autant vous dire que ce truc ne sert strictement à rien. Voilà. En même temps, on va pas demander un truc Sephora qui nous rende un truc comme du Lush. On est bien d'accord. Enfin voilà. Bref. Et enfin, pour terminer cette vidéo. J'ai utilisé donc comment on appelle ça? Deux échantillons de chez Benefit, mais c'est leur gamme pour soins du visage. Donc le Heat Potent Eyes, donc la crème pour les yeux que je mets tous les jours. Donc là j'ai un petit échantillon qu'on a vu dans la Glossy Box que je vais bientôt terminer. Mais sincèrement pour la journée je pense que je vais racheter le gros pot. Le seul truc que je reproche à ces trucs c'est que c'est en pot. Et pour les yeux moi j'aime bien des flacons pompe, c'est quand même vachement plus pratique quoi. Donc voilà. Mais sinon j'adore, j'aime, enfin voilà, je kiffe à mort. Bref. Voilà, c'était trop bien. Ensuite j'ai fini la crème de visage hydratant concentrée. Donc, c'est la Total Moisture. C'est la plus grosse qui existe. C'est la plus concentrée. Et celle-là, pour crème de nuit hydratante, elle est au top. Franchement, nickel. Je l'ai utilisée juste après la Clarisonic. C'est un bonheur. Donc, je pense que je me tâte à l'acheter aussi. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ces produits terminés vous auront plu. Voilà. La vidéo était longue, mais j'avais énormément de choses. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous fais plein plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo. Bonjour Lexi! Favori. On recommence. Chou, tu m'énerves. Je vais faire quoi de toi? Ah!
bébé, c'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas tourner dans ces conditions. It is not possible, bébé. It is not possible. Allez, va à ta place.